Actualité sportive, voici Théo Gmür. Ce jeune Valaisan vient d'offrir à la Suisse sa première médaille d'or aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Il s'est imposé en descente à la surprise générale. C'est sa première participation aux Jeux. Et jusqu'à ce matin, il faisait figure d'outsider. Chloé Stelet. Une victoire aussi savoureuse qu'inattendue pour le skieur Théo Gmür à Pyeongchang. Âgé de 21 ans, le Valaisan, qui participe à ses premiers Jeux paralympiques, offre une médaille d'or à la Suisse en descente. La descente qui n'est pourtant pas sa discipline de prédilection. C'est incroyable. Je ne pensais pas faire une saison déjà incroyable comme elle a été. Et ouais, cette médaille d'or, c'est vraiment, je crois que c'est le Graal. Un résultat exceptionnel qui vient couronner une saison remarquable. Le skieur de Ninda a notamment remporté le classement général de la Coupe du Monde. En janvier dernier, juste après avoir remporté le slalom géant de Vezona, il évoquait ce qui le pousse à aller de l'avant. D'être le plus rapide sur les skis, c'est ma fierté principale. Après, toutes les victoires et les podiums, ça c'est du bonus. Hémiplégique depuis sa naissance, Théo Gmür a dû apprendre à gérer son handicap. Pour nous, athlètes paralympiques, on doit, je dirais, encore plus travailler que des athlètes valides, car on doit compenser le côté hémiplégique ou le problème qu'on a. Théo Gmür a battu tous les favoris aujourd'hui, de quoi provoquer une intense émotion. Bah oui, je suis champion paralympique, c'est incroyable. Je pense qu'il me faudra un peu de temps pour réaliser ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est vraiment fou. Mais Théo Gmür devra se remettre rapidement en piste. Il est encore engagé sur 3 autres épreuves en Corée du Sud, dont le Super G la nuit prochaine.